Eh bien, coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle carrosserie peinte, frérot. On va peser la carrosserie, premièrement. Et je vais vous parler un petit peu des nouveaux upgrades qu'on a pu faire, mais il n'est pas totalement fini. Il me manque encore une radio, un ESC. Enfin, j'ai tout, mais j'ai envie de faire tourner tout ça correctement. Comme tu peux voir, le nouveau pare-choc de chez Team Garage Hack, les ricains, frérot, et ceux qui font les choses bien. Réglable hein, sur différents châssis, donc c'est tip top. On a le carter de pont Samix en alu, les deux fusées ici et ici SSD, ainsi que les knuckles SSD. Voilà, le support de cerveau aussi pour mettre le cerveau Homsobi avec un palonnier SSD. Comme tu peux voir, c'est beaucoup plus joli quand même quand il n'y a pas la barre de direction. Ça implique pas mal de sacrifices et faire une petite modification. Donc il y a deux solutions, on va en parler tout à l'heure. Les jantes pro build avec gros déport, donc on a quand même changé les hexagones aussi de roues. C'est des hexagones de roues en laiton, des hexagones Samix, frérot. Et la référence, c'est ça. Voilà, pour avoir des roues bien élargies. Et pour pas que ça touche les ailes, tu vois, en cas de gros débattement. Les pneus, c'est les ProLine Trencher qui marchent vraiment bien. Donc, je les ai récupérés sur les autres jantes. Pareil pour le pont arrière. Laisse de pont arrière SSD. Carter Samix en aluminium. Rien de faramineux sur le pont arrière. La carrosserie, bah, la carrosserie, elle est comme ceci. Tu vois. Je ne suis pas un peintre exceptionnel, mais je trouve que celle-là, je l'ai bien réussi quand même. Vu que tu vois le châssis, je vais te parler de la petite amélioration que j'ai faite. Donc, j'ai plutôt rehaussé mon support d'amortisseur. Pourquoi? Parce que bah, les amortisseurs sur les ponts du Hectéo sont plus hauts. Donc, si tu veux redescendre ton amortisseur et le mettre sur le lien, en fait, alors, je ne sais pas si tu vas bien voir, tu as ta vis du lien en bas, il va falloir modifier ta barre de direction et la mettre sur l'avant. Moi, j'ai préféré rehausser. Voilà. Après, on va essayer comme ça. S'il faudra passer la barre sur l'avant, ben on la mettra sur l'avant. C'est pas bien grave. Ça, ça va sauter pour vraiment avoir une radio un peu plus performante quand même. Le moteur, ben très très bien. Je suis bien content. Je voulais mettre des 1500. Voilà. Alors c'est bien. Mais j'ai trouvé encore mieux. Je vais mettre ça. Des 850. Beaucoup plus petites. Pareil, un fiche XT60 et tout, qui va bien, mais regarde la différence. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Ça rentre beaucoup plus facilement que 1500. Voilà, hein, donc nette différence. Gain de poids aussi. Voilà, on va essayer. Hein. Donc c'est des 75C. 3S. Impeccable. Tac, tac, tac. Maintenant, on va peser la carrosserie. Et là, on va voir combien elle fait. 70 grammes. 70 grammes avec la peinture et les stickers. Donc ça va, hein, c'est correct. Hein. Regarde-moi ça, ça bouge pas, c'est fixe. Assez agressif, bien flat. Il est vraiment pas mal, je suis vraiment content. Le petit pare-choc à l'avant, ça fait une petite touche de style. Les jambes violettes, ça lui va bien. Avec tes petits inserts en carbone. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Bye bye tout le monde.